On va passer tout de suite à la série. Bon, on voit déjà que c'est une série tolérante, hein, puisque semelle sympa, surtout pour un P. C'est la toute dernière série Cobra pour cette année, qui s'appelle la série SZ, pour Sweet Zone, qui se caractérise par une semelle très très large, donc vraiment très très facile à jouer, un moment d'inertie important qui est dû notamment aux masses ici en uréthane, une répartition des poids qui se fait vraiment talon-pointe. Donc c'est un club excessivement tolérant sur les frappes un peu décentrées, avec un moment d'inertie important. Un centre de gravité très en bas, beaucoup d'offset, et enfin un shaft très léger, ici vous avez le modèle femme, qui est de graphic design, donc c'est un club qui est très léger. Donc tous ces éléments concourent à faire un club qui va très facilement lever la balle. D'accord. Donc qui est très bien pour, encore une fois, des gens qui recherchent un club vraiment, vraiment facile à jouer. Alors il y a une chose que je constate depuis le début, où on est en train de tourner un peu dans tout, chez tous les constructeurs, c'est que vous faites tous énormément de... Vous attachez beaucoup d'importance au design. Oui, c'est vrai que le design est important. Le design est devenu vraiment un élément extrêmement important. Il y a une dizaine d'années, les clubs étaient assez classiques et maintenant on a des inserts noirs, bleus, il est superbe. Le cosmétique est important. Ah voilà, parce qu'il m'a dit ça, le cosmétique. C'est bien que vous utilisiez un terme qui est fait pour la chirurgie esthétique ou pour l'esthétisme féminin en tout cas. Ça, c'est le shaft lady. D'accord. Les femmes, donc un bleu qui est assez joli, qui plaît beaucoup aux femmes. D'accord. Et nous avons en homme un shaft noir. Que tu as ici, qu'on peut voir. Également, bien sûr. Donc là, en même temps, je montre donc vraiment très très beau design. Il y a vraiment énormément de progrès au niveau du design et même au niveau tolérance, puisqu'on remarque de plus en plus les semelles sont extrêmement importantes, ce qui permet, même avec un swing très très lent, de pouvoir envoyer la balle assez loin et surtout la lever, parce que c'est un peu le problème des joueurs débutants, c'est de lever la balle. À l'inverse des joueurs qui sont des joueurs confirmés, qui ont plus tendance à trop la lever. Donc on cherche à avoir des trajectoires plus pénétrantes. On revient tout de suite avec... Oui Franck, je voulais juste te présenter, tu vois, donc dans la même gamme, la série SZ, nous avons le modèle homme avec un shaft ici, toujours un shaft Alvila. D'accord. Et nous avons le modèle senior, également avec un shaft Alvila, mais là, un petit peu plus léger. D'accord. Donc ces shafts varient en fait en fonction du poids et en fonction du torque. Et on le dit, je le redis, 80% du club, c'est le shaft. Merci pour cette série. On se retrouve encore chez Cobra parce qu'ils ont cette année beaucoup de produits à nous montrer pour une nouvelle vidéo sur legolf.com. A tout de suite.